se retrouve sur le stand du secrétariat général de l'enseignement catholique, où eh bien, il y a un studio de radio, comme vous pouvez le constater et l'entendre surtout. On se retrouve pour le milieu de cette journée consacrée en grande partie au territoire breton. Et nous allons continuer, après avoir fait une petite incursion en Normandie tout à l'heure, et nous allons repartir en Bretagne, et notamment du côté de l'Ille-et-Vilaine. Donc nous sommes plutôt en Haute-Bretagne et non plus en Bretagne occidentale comme tout à l'heure. Nous accueillons le député de Saint-Malo, c'est la 7e circonscription, mais voilà, vous êtes le député de Saint-Malo, tout le monde connaît, Monsieur Gilles Lurton, et accompagné de Monsieur Michel Pellet, directeur diocésain d'Ille-et-Vilaine. À chaque fois qu'on a abordé le sujet avec d'autres parlementaires ou d'autres directeurs diocésains tout à l'heure, on a parlé de l'originalité ou de la singularité bretonne en matière d'enseignement et peut-être même cette singularité en matière de partenariat entre l'enseignement public et l'enseignement privé. Est-ce que vous pourriez chacun sur ce thème-là dire ce qu'est votre sentiment, votre appréhension de la chose ? Monsieur Pellet. Oui, donc effectivement une singularité bretonne avec en Ille-et-Vilaine comme à l'instar des trois autres départements bretons, 42% des élèves scolarisés, donc c'est effectivement un pourcentage important, donc une contribution forte à la mission d'éducation. Et donc c'est un point qui est évidemment essentiel avec un partenariat fort qui est noué avec l'enseignement public et avec des établissements publics bien évidemment. Avec sur un pourcentage que je donnais, là, 42%, bien évidemment, un enseignement catholique qui est de très forte mixité sociale et qui touche évidemment toutes les populations d'élèves et toutes les familles du département. Donc, un enseignement catholique qui se veut au service de la nation pour l'éducation des jeunes. Qu'est-ce qu'elle doit avoir comme conséquence, cette singularité, monsieur le député ? Bah écoutez, moi, je partage les propos qui viennent d'être tenus par le directeur de CESA, un enseignement catholique qui reste très développé en Bretagne, dans la circonscription de Saint-Malo, et un équilibre sur la mixité scolaire qui me paraît tout à fait raisonnable. Moi, je souhaite que cela continue ainsi et que l'on puisse continuer à avoir ce partenariat entre les deux types d'enseignement, le public et le privé. Et j'y ajouterai un deuxième partenariat, c'est bien sûr le partenariat entre l'enseignement catholique et les collectivités locales, qui est aussi très important pour ce qui concerne les communes de la circonscription de Saint-Malo dans laquelle je suis élu. J'ai le sentiment que tout cela fonctionne très bien. C'est un modèle économique d'une certaine manière et c'est un modèle de service rendu au public. Est-ce qu'on peut voir les choses comme ça, M. Pellet ? Oui, bien évidemment, d'une certaine façon. Et je souscris tout à fait à ce que disait M. Lurton sur les relations avec les collectivités territoriales. Bien évidemment, les communes, le conseil départemental, le conseil régional de Bretagne, suivant évidemment les unités d'enseignement. Et on a une parole qui est une parole en vérité et on a la volonté de pouvoir expliquer nos spécificités, dire qui on est, comment on travaille. Et tout le monde sait très bien que quand on opère, non pas une comparaison, mais quand on évoque l'enseignement catholique et l'enseignement public, il y a bien évidemment un certain nombre de points communs, il y a également un certain nombre de différences et ces différences sont entendues lorsqu'on en échange avec les collectivités territoriales. Et c'est ce qui permet à l'enseignement catholique de prendre toute sa place, de prendre sa juste place. Où est-ce que les choses peuvent éventuellement ne pas bien se passer entre les collectivités et les établissements d'enseignement privés ? Bon, écoutez, pour le moment, je n'ai pas d'exemple précis pour lesquels les choses se passeraient mal. À partir du moment où la discussion est possible et facilitée, cela fonctionne très bien. Je remarque en plus que dans les établissements de l'enseignement catholique, dans ceux du public aussi, mais peut-être un peu plus fortement dans l'enseignement catholique, il existe une forte implication des parents d'élèves, à la fois
dans l'aspect matériel de l'enseignement, c'est-à-dire tous les locaux. Moi, je vois beaucoup de parents d'élèves de l'enseignement catholique s'investir pour rénover leurs écoles quand ils n'ont pas forcément les moyens financiers de le faire. Et puis, une forte présence aussi des parents d'élèves autour du fonctionnement de l'école. Ça me paraît être très important pour le fonctionnement de l'enseignement catholique également. C'est une particularité. Monsieur Pellet, je vois acquiescer. Non. Alors oui, j'acquiesce tout d'abord sur ce qui concerne l'engagement des bénévoles au service de nos écoles. C'est une véritable force, tout d'abord pour le projet qui est décliné dans nos écoles. Pour faire école, on a besoin d'élèves, on a besoin de locaux, on a besoin d'enseignants, de personnel, mais on a aussi besoin des parents. Ce sont eux qui nous font confiance et ils contribuent largement à ce que notre projet éducatif soit un projet éducatif de qualité et adapté. Quand vous évoquiez les éventuelles crispations, je ne parlerai pas de crispations, il y a à prendre sa place, toute sa place, et il y a effectivement suivant les localisations sur le territoire, parfois voilà, un certain nombre de choses à avancer, des discussions qui sont un petit peu plus ardues ou un petit peu plus difficiles que sur d'autres territoires, mais c'est la règle. Et nous sommes là effectivement pour défendre notre projet et expliquer que ce projet, il doit vivre et qu'il vit avec des financements et avec des moyens. On évoquait également les parents, je reviens sur les parents, et l'implication sur les locaux. Évidemment, les modalités de financement de notre bâti sont bien différentes des modalités de financement pour les établissements publics d'enseignement. Et c'est ce qui explique assurément que les parents soient extrêmement investis et qu'ils puissent contribuer également par leur temps. Ils contribuent déjà par le financement, mais contribuent aussi par le temps donné à ce que nos écoles soient de belles écoles accueillantes. Ne croyez pas que je cherche nécessairement la petite bête, mais vous considérez qu'il y a plus de mobilisation des parents d'élèves dans le privé que dans le public ? Je ne me permettrai pas de le dire. Je ne peux parler que de ce que je connais et j'observe effectivement dans notre réseau une belle mobilisation des parents. Disons qu'on pourrait espérer qu'elle soit aussi grande, cette mobilisation dans le public, non ? Disons que le fonctionnement n'est pas le même. Monsieur le directeur de Saint-Zin le disait il y a quelques instants, les établissements privés, les collectivités locales ne peuvent pas aider financièrement les établissements privés dans la construction de leurs bâtiments, dans la rénovation de leurs bâtiments, ce qu'elles font pour toutes les écoles primaires et les écoles maternelles quand il s'agit des communes, hein, puisque ce sont les communes qui ont la responsabilité des écoles primaires et des écoles maternelles, le département pour les collèges et la région pour les lycées. Eh bien, les communes ne peuvent pas participer aux investissements des établissements privés, ce qui fait que les établissements privés doivent trouver d'autres moyens quand il faut rénover une école. Moi, je pourrais vous citer l'exemple d'une école primaire à Plerguet qui a été complètement démontée, une école primaire privée à Plerguet qui a été complètement démontée par les parents qui ont consacré un an, tout leur week-end, tout leur temps pour refaire complètement l'école. Aujourd'hui, vous avez une école magnifique, mais une très, très forte partie du travail a été réalisée par les parents. Moi, je trouve ça assez remarquable. Et ça, on ne le voit pas ailleurs. C'est peut-être dû au mode de financement de l'enseignement privé, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien pour l'enseignement privé. C'est peut-être dû aussi à la particularité bretonne. C'est peut-être dû aussi à la particularité bretonne. Oui, c'est vrai que la Bretagne reste très attachée. Alors, je ne vais pas dire reste très attachée à son enseignement privé, je crois qu'elle reste très attachée à un équilibre de l'enseignement dans son territoire. C'est ce que disait tout à l'heure un de vos collègues, un collègue République En Marche, qui disait, moi je suis en même temps, donc d'une certaine manière, je suis un petit peu public, un petit peu privé. Vous trouvez que c'est du bon sens ? Écoutez, personnellement, je suis un pur produit de l'enseignement public et j'en suis très fier. J'ai fait toute ma scolarité ou quasiment toute ma scolarité dans l'enseignement public et je trouve que j'ai apprécié le travail que j'y ai fait et ça a bien fonctionné. Mais dans ma famille, j'ai d'autres frères et sœurs qui sont passés par l'enseignement privé et ça a très bien fonctionné ici. Et bien, c'est un équilibre qu'il faut poursuivre. Et il faut mettre toutes les conditions pour qu'il se poursuive. Vu de la direction diocésaine, M. Pellet, la loi Blanquer, c'est un bon cadre ? La loi Blanquer est un bon cadre. C'est un cadre que l'enseignement catholique s'approprie comme il peut se l'approprier, avec un certain nombre de points importants sur l'innovation pédagogique. Et c'est vrai qu'on y trouve, nous, un réel intérêt.
et une place importante à la formation des enseignants, et à la formation des enseignants qui va, là, dans les années qui viennent, opérer, on le sent bien, un certain nombre de mutations. Donc un levier, en tous les cas, qui sera un levier important à activer. Concernant la loi Blanquer, on ne va pas revenir sur la scolarité à 3 ans. Je dirais peut-être scolarité de 3 ans à 18 ans, ou formation en tous les cas jusqu'à 18 ans. Et ça, c'est un point également important que l'on voit dans la loi Blanquer, sur le fait qu'on dépasse le 16 ans et que la formation est un droit et qu'il faut en user et qu'on peut en user jusqu'à l'âge de 18 ans. Et puis, sur la loi Blanquer, un focus particulier sur l'accueil des élèves qui pourraient être les plus en difficulté. C'est ce que nous appelons l'école, ou que nous appelons l'éducation inclusive, oui. Et qui permet aux jeunes d'opérer dans les établissements un parcours adapté à leurs difficultés. Alors ça, c'est un sujet effectivement dont j'aimerais bien que monsieur le député nous parle, parce que ça fait des années que vous suivez ces questions-là, et ce serait intéressant avec vous d'avoir le regard, j'allais dire, sur l'ensemble, non pas de la séquence, mais avec le recul nécessaire. Et on en est où? Qu'est-ce qu'on fait de bien? Qu'est-ce qu'on fait de mal? Qu'est-ce qu'on ne fait pas encore suffisamment bien? Oui, tout à fait. Effectivement, je suis ces questions sur le handicap depuis que je suis député, depuis 2012. J'ai toujours comme référence la première loi, enfin la loi de 2005, qui pour moi est la loi la plus forte et qui affirme cette volonté que chaque personne en situation de handicap puisse se déplacer en toute autonomie, puisse bénéficier des mêmes enseignements, puisse avoir le droit au travail comme toute autre personne. Et cette loi, elle doit rester notre référence. Je suis bien sûr... C'était Jacques Chirac, voilà, tout à fait. Et Jacques Chirac était un homme extrêmement attaché au handicap. Il l'a prouvé à de nombreuses reprises, et là-dessus, je veux lui rendre hommage. Mais en fait, si vous voulez, moi, je suis très attaché, à chaque fois que c'est possible, à ce que l'on puisse permettre à un enfant en situation de handicap à ce qu'il puisse être scolarisé en milieu ordinaire, c'est-à-dire dans une classe avec d'autres enfants, qui aujourd'hui, ça ne fait pas peur aux autres enfants d'avoir un enfant en situation de handicap dans leur classe. Au contraire, ils l'entourent, ils l'aident, ils l'accompagnent. Je trouve qu'il y a une très, très grande solidarité chez les enfants. Et je trouve que tout cela peut très fonctionner, avec une limite cependant. Chaque fois qu'un enfant peut être inclus en milieu ordinaire, il faut tout faire pour lui donner les moyens d'être inclus, y compris les moyens en personnel. Je pense aux anciennes AVS, aux auxiliaires de vie scolaire, qu'on appelle maintenant les AESH, hein, qui entourent l'enfant, mais je pense aussi à l'entourage psychologique, à la formation que l'on peut apporter à l'enseignant pour accueillir cet enfant, et puis à l'entourage aussi des autres enfants, parce qu'il peut parfois se poser quelques difficultés particulières. Mais il y a des situations plus difficile au niveau du handicap de l'enfant, qui ne permettent pas forcément cette inclusion. Et quand nous sommes dans ce genre de situation, j'attache aussi beaucoup d'importance à ce que ces enfants puissent être accueillis dans des milieux un peu plus protégés. Je pense aux instituts médico-éducatifs, les IME, que nous avons dans nos communes. Et je trouve que, sous prétexte d'inclusion à tout prix, le concept d'inclusion, c'est un très beau concept auquel on ne peut qu'adhérer, mais sous prétexte d'inclusion à tout prix, eh bien, on est peut-être en train d'exclure certains enfants de la protection dont ils ont besoin, mettant aussi en détresse leurs parents, hein, et mettant bien sûr en détresse les enfants. Qui décide dans ces cas-là, monsieur le député ? Comment ? Qui décide dans ces cas-là de ce qu'un enfant peut ou ne peut pas ? Bien, écoutez, moi j'ai plusieurs exemples. Alors ça se décide avec la direction des services académiques de l'éducation nationale, ça se décide avec la maison départementale du handicap qui oriente les enfants. Et puis après, il faut trouver la place dans l'établissement scolaire qui puisse accueillir l'enfant dans les meilleures conditions. Ça n'est pas forcément toujours simple, mais nous avons cet effort à fournir pour que ça se fasse. Ça s'appelle la solidarité nationale, et là-dessus, nous ne pouvons pas lésiner. Malgré tout, je vois certains enfants que nous avons tenté d'inclure à cette rentrée,
je rencontre les parents aussi. Vous savez, nous les parlementaires, nous tenons beaucoup de permanence dans les communes et nous voyons souvent les parents. Et ils me disent, ben, notre enfant, il a commencé à la rentrée, il ne peut pas continuer parce que ce n'est pas supportable pour la classe, ce n'est pas supportable pour l'enseignant et ce n'est pas supportable pour notre enfant qui régresse parce qu'il est un peu laissé de côté, il n'apprend pas, il se renferme et il n'est pas à l'aise dans le milieu dans lequel il se trouve. Et puis cet enfant, eh bien, très souvent, il se retrouve au domicile du papa, de la maman quand la maman est seule. On pourrait en citer aussi de nombreux exemples. Il oblige la maman à arrêter de travailler. Et puis, c'est toute la famille qui s'effondre. C'est l'enchaînement qui fait que les choses vont mal. Et il faut être particulièrement vigilant là-dessus. Moi, ce que je crains, c'est que sous prétexte d'inclusion de tous les enfants, et encore une fois, c'est un objectif que je ne refute pas du tout. C'est un objectif vers lequel nous devons tendre. Mais sous prétexte d'inclusion de tous les enfants, nous diminuons les moyens dont bénéficient les milieux un peu plus protégés et que là, on ne trouve plus les solutions d'accueil pour les enfants qui en ont le plus besoin. Inclusion, c'est un thème, que porte l'enseignement catholique, Monsieur Pellet. Alors, l'enseignement catholique prend toute sa part et aime prendre toute sa part à l'accueil des enfants à besoins éducatifs particuliers. On en a parlé dans le cadre de la loi Blanquer, mais c'est quelque chose pour nous qui est essentiel et qui fait partie de notre projet anthropologique chrétien. Moi aussi, quand on parle de l'éducation inclusive, je me réfère toujours à 2005, parce que c'est effectivement quelque chose de très, très fort. Mais je mesure, depuis 2005, tout le chemin parcouru. Alors, il y a un chemin sûrement quantitatif, parce que entre 2005 et aujourd'hui, on accueille un très grand nombre de jeunes. Je crois qu'il est ce nombre de jeunes entre 2005 et aujourd'hui multiplié par 3 ou plus de 3 même sur le nombre d'enfants accompagnés dans nos établissements scolaires. Donc c'est important. Mais entre 2005 et aujourd'hui, de gros efforts aussi ont été faits sur le plan qualitatif. Et l'accueil ne se fait plus de la même façon parce que les familles sont préparées, parce que les équipes et les enseignants sont préparés, ou en tous les cas, il faut veiller à ce qu'ils le soient de la meilleure des façons. Donc, l'éducation inclusive, c'est effectivement quelque chose que nous appelons de nos voeux. Et notamment, il y a, dans le cadre de l'éducation inclusive, les ressources pour accompagner ces enfants en établissement, et on évoquait les AESH, accompagnement d'enfants en situation de handicap, avec quelque chose de nouveau qui arrive cette année dans les territoires, c'est la notion de PIAL, les pôles inclusifs d'accompagnement localisé. Parce que je pense qu'on a compris que l'accompagnement et la gestion de la ressource humaine se feraient de la meilleure des façons en territoire, et pas qu'on s'est décidé à l'échelle macro. Donc là, on a quelque chose qui se met en place et qui n'est pas simple à se mettre en place. Et notamment dans le département d'Ille-et-Vilaine, voilà, il y a un partenariat public-privé sur la mise en place de ces PIAL pour que la gestion des AESH se fasse au plus proche des besoins, au plus proche des équipes. Donc ça, c'est un point qui est un point important sur lequel, bien évidemment, nous travaillons. Quand on parle de l'éducation inclusive, l'inclusion ne se fait pas sur un seul modèle, mais elle est véritablement variée. Et si certains modèles d'inclusion sont tout à fait satisfaisants et permettent à des enfants de progresser et d'avoir un parcours qui est un parcours adapté. Et si, effectivement, l'inclusion permet aussi aux enfants valides de bénéficier, et ça, c'est important, de la présence d'enfants à besoins éducatifs particuliers dans l'établissement. C'est important parce que ces regards croisés sur le handicap ou sur la difficulté qui fait que chacun va grandir et on y est véritablement attaché. Mais ça ne se fait pas et ça ne doit pas se faire selon un seul modèle. Et je souscris à ce que vous disiez sur certains modèles d'inclusion qui peuvent atteindre leurs limites. Et là, la réponse, c'est le bien de l'enfant. Et d'abord, le bien de l'enfant. Qu'est-ce qu'il faut ? Produire même l'effet inverse. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'enfant puisse progresser et pour qu'il puisse être bien dans le milieu là où il est ? Un milieu sécurisé, mais un milieu aussi qui porte de l'ambition et qui vise vers l'autonomie. Et donc, l'inclusion de ce point de vue-là, elle est importante. Et donc, dans le cadre notamment de la loi Blanquer et de la mise en place des PIAL, une étape supplémentaire pourrait être justement le lien
avec les établissements médico-sociaux. C'est quelque chose, une chose en tout cas dans laquelle on entre progressivement de façon à pouvoir avoir des liens avec ces établissements pour que ces enfants puissent être accompagnés dans l'une et ou l'autre des structures avec des liens qui permettront de vivre cette inclusion de la meilleure des façons. Donc tout un projet et tout un travail préparatoire pour avoir un modèle réglementaire qui est important parce que nos établissements médico-sociaux et nos établissements scolaires ne fonctionnent pas de la même façon, ne sont pas régis par les mêmes règles. Et donc ces liens sont à trouver, ce partenariat est à trouver. Mais en tous les cas, il faut y travailler. Monsieur le député, la politique du gouvernement en la matière vous laisse un peu sur votre faim. Écoutez, je pense que à chaque fois que j'en parle avec le gouvernement, moi, j'insiste sur le fait que la volonté d'inclusion de ces enfants, la volonté de leur permettre de travailler dans un milieu ordinaire, dans un système de scolarisation ordinaire, doit être l'objectif. Et là-dessus, je souscris totalement à la politique gouvernementale. Mais il y a, on vient de le dire, il y a quelques limites pour des situations d'enfants particulières, avec des situations de handicap particulièrement difficiles. Et puis c'est vrai, sur la base de cette inclusion, de cette politique inclusive décidée par le gouvernement, on peut, et vous l'avez très bien dit, encore faire évoluer les choses. Vous voyez, je suis conseiller municipal à Saint-Malo. Lors du précédent conseil municipal, la majorité a passé une délibération visant à créer dans une école ce qu'on appelle une classe ULIS, c'est-à-dire une classe d'enfants autistes en situation de handicap. Ils se retrouvent avec un enseignant, avec un psychologue. C'est 8 enfants, 8 personnes, un pour un, à s'occuper d'eux. Et puis la moitié du temps, ils travaillent ensemble dans cette classe et la moitié du temps, ils vont aller en milieu ordinaire, en milieu de scolarisation ordinaire, accompagnés par, effectivement, toutes les personnes qui les entourent. Et vous voyez, on constate, quand on observe le fonctionnement de ce genre de classe, qu'il y a une très, très grande solidarité entre les enfants. Les enfants, ils ne voient pas le handicap de la même façon que certains d'entre nous pourraient le voir. Ils ne font pas de différence entre l'enfant en situation de handicap et l'autre copain qu'il y a dans la cour d'école. Il y a quelque chose qui se passe, qui est extrêmement fort, qui a évolué ces dernières années. Il faut bien le reconnaître. Et ça, on ne peut que l'encourager. Mais on ne peut pas s'arrêter que sur un principe inclusion de tous les enfants en situation de handicap. Il faut aller plus loin. Il faut être beaucoup plus imaginatif sur les moyens que l'on prend pour arriver à cette inclusion. Et je suis sûr que l'on peut faire de grandes choses. Merci messieurs, merci pour votre participation à cet échange et à cet éclairage sur l'éducation inclusive, fort intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci.